Vendredi 28 juillet, Nathalie Lévy a fait une déformation professionnelle. Victime d'une piqûre de vif alors qu'elle profitait de la mer lors de ses vacances, la journaliste a documenté l'intervention des secouristes, de l'arrivée du camion sur la plage jusqu'au geste à appliquer en cas de piqûre. Le résultat était visible dans sa story. Afin que les membres de sa communauté Instagram puissent bénéficier tout l'été d'un guide de conduite en cas de piqûre, Nathalie Lévy a même publié sur son compte une vidéo de son entretien avec une secouriste, où celle-ci explique comment réagir à ce désagrément très douloureux. Quand on marche dessus, les vives libèrent une petite quantité de venin. Et cette petite quantité de venin provoque une sensation de brûlure sur le pied. C'est un venin thermolabile, qui s'atténue avec la chaleur. Supérieur à supérieur H1, Christophe Willem, Nathalie Marquet. Les vacances des stars, pourquoi les vives nous piquent-elles? Les vives évoluent dans la partie chaude du courant, donc aux abords du rivage où le soleil vient réchauffer l'eau. Ensuite, elles se cachent dans le sable. Lorsqu'elles perçoivent une ombre, elles se préparent à se défendre contre un prédateur qui n'est en fait que notre pied. Et grâce à Nathalie Lévy, vous saurez donc qu'en cas de piqûre, il faut mettre son pied en contact avec de l'eau, du sable ou du bitume très chaud pendant 15 à 20 minutes pour venir à bout de la douleur. Même en vacances, Nathalie Lévy garde son instinct de journaliste. Aric l'écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo, Coadic Guirec. There's all times through the rough times I think you.